monde aujourd'hui, beaucoup parlent de sorcellerie. Il y a été le premier homme de Dieu africain qui a dit changez vos messages. Aujourd'hui, j'en ai parlé de sorcellerie. Mais je suis le mieux placé pour parler de la sorcellerie. Il n'y a pas un sorcier qui va que tu vas attaquer, au fait, attraper et puis ne va pas essayer. Ça n'existe pas. Il essaie d'avoir le pouvoir qui est en toi. Ça va marcher, Lucien. Non, non, Lucien. Parce que ce qu'il envoie sur toi, c'est ici sol air. Ça dit ça fait sol et puis air. Si tu veux sortir air, ça te tue. Sol, ça te tue. Oh,
fortement Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il y a une option dans la loi. Que Dieu bénisse. Amen. Quand la louange touche, ça déclenche quelque chose. Amen. Qu'on ne peut pas expliquer. Parce que Dieu sied dans la louange. Amen. Plus on loue Dieu, plus quelque chose se passe. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un juste à côté. Dis à quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Amen. Je ne vous ai pas entendu. Dis à quelqu'un, tu es béni. L'église contente, authentique, internationale. C'est-à-dire, nous sommes une église pentecôtiste. Pentecôtiste, nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons dons spirituels. Ici, c'est la présence de Dieu. Amen. Tu rentres ici possédé, tu sors délivré. Amen. J'ai quelqu'un, Dieu est merveilleux. Amen. Qui est content, qui est très heureux ce matin, qui est très heureux ce soir. Amen. Je suis très heureux comme vous. Très heureux aussi comme vous d'être dans cette présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et que Dieu soit loué. Amen. Amen. C'est vrai, nous avons entendu un thème très important sur les autels. Amen. Amen. Je pense qu'on a bien compris la puissance des autels. On essaie d'expliquer réellement les autels, quels sont les autels, ce que ça représente, ce que ça peut faire contre nous, comment les autels peuvent nous empêcher de rentrer dans certaines grâces. Amen. Amen. Je pense que j'ai bien expliqué la chose et c'est la continuité. Comment bâtir l'autel? Voilà, c'est la suite un peu du message. Amen. Comment bâtir l'autel? Amen. Amen. D'abord, pour bâtir un autel, il faut d'abord détruire l'ancien autel dédié au diable. Parce qu'il y a des autels sataniques. N'est-ce pas? Amen. Amen. C'est pour ça que faites très attention aux objets que vous achetez. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Vous pouvez acheter un collier qui peut être un élément, un hôtel dans votre maison. Je l'ai déjà vécu en 2017, quand je faisais mon programme sur Lyon. J'ai dépassé justement un blanc dans la salle. Dès que j'ai dépassé le blanc, il a commencé à miauler. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel humain qui comme un chat. Et j'ai commencé à l'attaquer. A commencé à attaquer ses esprits. Alors, le blanc révèle, au fait du moins, le démon il révèle ce qui s'est passé dans son corps. Sa fille va acheter un collier. Dès qu'elle achète un collier, elle a fait une dépression. Finalement, ils vont tous en dépression. Elle se retrouve dans l'asile des fous. Or, le collier était resté, ça a rendu sa maman alcoolique. Et quand son père a touché, il est rentré dans un autre état, il ne se retrouvait plus. Comprenez bien ce que je veux dire. Amen. Amen. Parce que les gens, eux, ils ne voient pas le côté spirituel, ils voient le côté dépression, ils ne voient pas le côté spiritualité de la chose. Alors, donc, quand j'ai commencé à attaquer, le démon maintenant va expliquer l'origine du mal. Et que le monsieur est malade, il pleure, il me demande pardon. Je pense que la Bible même doit se juger. Il demandait pardon, on le bénit, et voici l'histoire de sa fille. Et donc, l'élément qu'elle a acheté, c'est un hôtel. Vous ne savez pas quelles sont les incantations qu'ils ont fait si le collier. Tout ça, quand on a acheté quelque chose, rendez grâce. Amen. Amen. Vous avez saisi? Amen. Quelque chose, oui, c'est joli. Mais si vous savez ce qui s'est passé, je n'ai pas dit que tout fait peur. Mais vous surtout ce moment de prier. Amen. Amen. C'est ça même la nourriture que vous voyez. La nourriture, il n'y a pas d'abattoir spécifique pour les chrétiens. Vous comprenez? Moi, ma famille, je suis de la lignée des musulmans. Mon père est non musulman, mes parents sont non musulmans, ok? Et donc, les musulmans, en vont de gorgées, ils font des prières. Tu sais ce qu'on dit là? Hein? Ah, les images? Mais la Bible est de rendre grâce. C'est pour ça que le chrétien, en vont de manger quelque chose, il doit prier.
Tout est sanctifié par la prière. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Amen. Vous savez, l'origine du mal, la mort est venue par la... Hein? D'où quand est venue la mort? Par la nourriture. Et vous savez pas ça? Il dit ce qui mange, c'est pas péché, mais ça fait des péchés. Celui qui mangera du souffrir, si vous mangez ça, vous allez mourir. Mangez. Le fruit. Je l'ai dans le contexte du test. Donc, non, c'est pour ça qu'il fait très attention à ce que vous mangez. Parce que ça peut vous détruire. La nourriture, ça peut vous détruire. Ça sent bon, mais c'est ce qui est bien. Je n'ai pas dit non, si tu vas faire ce. Non. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. C'est pour ça qu'il faut prier avant de. Tu achètes quelque chose, il faut sanctifier ça. Amen. J'ai délivré un jeune homme, oh là là, qui avait un esprit grave de masturbation grave. Et ce jeune homme, pendant la délivrance, nous on va très loin dans la délivrance, ça dit qu'il ne peut pas s'en passer de la masturbation. Or, ce jeune homme, c'est dans la FIPI, vous connaissez les trucs de seconde main qu'on voit ici. C'est dans ça qu'il allait acheter un truc de maillot de bain. Et c'est dans ça qu'il a porté, le démon est entré dans sa vie. Comment on a su? C'est dans la délivrance, quand lui-même ne savait pas d'origine. Et quand on a interrogé l'esprit qui habitait en lui, le démon va commencer à s'exprimer pour dire, voici comment je suis entré dans sa vie. Donc, il y a des choses qui font comme des portes d'entrée dans votre vie. C'est ça qui fait très attention. Le monde est sous le contrôle du diable. Et le diable que vous voyez, il est très rusé. Pour vous avoir, c'est à la minute. Amen. C'est que vous banalisez, il fait derrière ça. Amen. Ça va? T'es de retour? Non, mais fais attention. À vous revenez un peu à peu. Amen. Nous, on est prêts à vous recevoir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ça peut être attaqué, mais ça ne va jamais disparaître. Amen. Gamaliel dit, il a dit à ceux du conseil des Juifs qui voulaient détruire, arrêter le ministère de Christ, en attrapant Pierre, le mettant à la prison, interdisant les gens de faire culte du christianisme. Il a dit, faites très attention, parce que c'est ça aussi. Parce que vous avez quel pouvoir pour discerner que c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Il dit, si cette œuvre vient des hommes, elle disparaît. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez rien contre ça. Moi, ils m'ont donné un an à Divo. On dit, si tu as trop duré dans la vie de Divo, quand tu parles de sorcellerie, tu viens faire écrire là-bas des problèmes. Tous ceux qui sont passés ici pour parler de sorcellerie, on les a mangés. Donc, si tu as trop duré, si tu veux, j'ai dit, moi, je suis maréchal de la brigade anti-sorcellerie. Amen. Je peux bien parler à faire des sorcelleries. Et puis je vais vous mater. Je ne vais pas m'amuser à ça. Tu vas parler seulement. Vous allez vous attraper dans vos cases, dans vos maisons. Vous allez parler ici. Amen. Je vois, pendant qu'il prêchait, un jeudi, après midi, j'enseignais un petit bonhomme qu'on envoyait. Ils ont enseigné sur le lac autant essayé. Celui qui est venu m'attaquer, il est devenu fou, il est mort. J'ai la vidéo. Il allait fermer l'église. Soi-disant, il a pris les unctions de Zaroko, il a mixé la route de Zaroko, il a fait des incantations, il est venu, avant d'arriver déjà à Divo, on l'a amené à l'hôpital de Divo, il a fait une crise. Frère, il y a des choses qui sont tout sacrées. Quand Dieu me parlait, tu n'étais pas là. Tu ne peux pas croire.
mais tu n'étais pas là. Amen, amen, lui et amen, moi, amen. On s'est parlé, je suis parti à Divo. Voilà. Lui et moi, on a discuté sur des principes. Et je suis parti. J'ai commencé mon ministère dans le village. C'est pas parce que je suis à Abidjan, qu'on va plutôt à Paris, qu'on va voir Guéni Guéni. Je suis quelqu'un. Heureusement, aujourd'hui, beaucoup parlent de sorcellerie. Il y a été le premium de Dieu africain qui a dit changez vos messages. Aujourd'hui, j'en ai parlé de sorcellerie. Mais je suis le mieux placé pour parler de la sorcellerie. Parce que moi, je ne suis pas seulement sur les réseaux, je suis dans j'ai le don de ça. Bientôt, je serai au Cameroun, bientôt au Congo, bientôt. Congo Brazzaville, Congo RDC, je serai au Bénin. Oh, je ne sais pas du passant. Bientôt ma tournée. Mais on attend de poser une barre. Ici, c'est l'église de l'Europe. C'est ici que vous allez passer vos délivrances, la diaspora. Amen. Amen. Et bientôt, j'ai commencé. Amen. Amen. C'est moi qui ai commencé à parler de la sorcellerie. Et tout le monde a commencé à parler. Je vois les gens dire, ah, mais c'est bien. Est-ce que vous ne touchez pas le problème? Vous avez le problème, c'est Jésus. Vous tournez ici. Vous avez peur de ça. C'est moi qui les ai encouragés. Il a commencé à parler de sorcellerie. Mais ne vous arrêtez pas seulement à la théorie. Rentrez dans la pratique. Amen. Vous allez comprendre que la mort ne joue pas. Tu t'es amusé, on te fait change tes genoux. Avec un kéké à Bougama, on te mange. Il y a des endroits où je suis parti, il y avait l'impression qu'il y avait des fourmis dans ma tête. Puis j'ai fait des prières, ah oui, c'est un territoire, si Dieu n'est pas avec toi, ne rentre pas dedans. Ils vont te tuer. Une sorcière ne s'amuse pas. Je suis allé à Zébéboué. Coco Nyawa dit ton père, un grand danger de danger. Ils sont venus me saluer. Tu es venu pour affaire des sorciers. Il dit, moi je ne suis pas. Tu es venu faire affaire de Dieu. Il dit, non, je suis venu à cause des sorciers. Tu n'as que des sorciers. Du courage, ça va, il faut les attraper. Hein. Il a vu que ça lui est dangereux. Celui qu'on loue pour tuer, ça lui est qu'on. Si elle a sorcellé dans une famille, on ne peut pas le tuer, quelqu'un ne peut pas tuer, lui on veut le louer, c'est un sniper. Et puis lui va, il abat le monsieur, il vient tranquillement. Il dit, c'est toi, envoie lui, il est pour peut-être aider. Il dit, lui-même, il déclare que c'est pour lui la terre. Il dit, ah, c'est pas pour toi, hein. C'est pour Dieu. Hein. Il me lève les casse, je dis non, c'est moi le prêtre propriétaire, hein, c'est pas toi. Hein. Non, non, ça c'est un type qui t'a mis sur toi ici. Hein. Amen. Il dit bien ce que j'ai dit, mais la terre appartient à qui? Il dit Dieu. Moi je dis qu'il se fasse la terre de Dieu. Donc la terre elle me partait d'abord avant que ça soit pour toi. D'ailleurs, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Voilà. Donc je suis venu libérer la terre. Il m'a salué. Le lendemain. Parce que moi je leur ai dit, il y a ceux qui ont des petites sorcelleries là. Où ce qu'il y a grand, il faut venir parler. Ils sont venus. Les grands, grands sorciers, eux, ils ne parlent pas vite. Moi, je vous parle de la réalité africaine. J'ai parlé hier avec un jeune homme, il dit, il a athée, qui ne croit pas en Dieu. Je lui dis, petit, donc tu nous prends pour des idiots. Il dit, moi, il ne prend pas pour des idiots. Il dit, mais nous, on croit en lui, il dit, ça n'existe pas. Il dit, oui. J'ai dit, bon, quel est quelque chose qu'on nomme qui n'existe pas? C'est-à-dire, on donne un nom. C'est en français, c'est en bété, c'est en anglais, c'est en chinois. Et puis ça n'existe pas, les gens sont malades comme ils. Donc le peut-être commence à se réserver, les gens ne sont pas bêtes pour donner le nom de quelque chose qui n'existe pas. Je lui ai demandé comment c'est quoi. Il donne son nom. Il dit ok. Tu n'existais pas au départ. Maman et papa se sont rencontrés, tu es le fruit de maman et papa. Et quand tu es venu, on t'a donné le nom. Arrêtez vos histoires. La société existe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, si tu ne connais pas, nous on connaît, il faut rester tranquille, on va t'enseigner. On va t'apprendre. Tu vas bien comprendre. C'est des domaines, si tu ne maîtrises pas, c'est dangereux. On n'est pas censé tout connaître dans la vie. Je peux comprendre. Mais dis non, et puis récite-toi sur ta position. Mais c'est dangereux. C'est comme ça, il dit, petit-moi, nous jouais ça. Mais quand ils ont lapé mon cerveau, j'ai fini par croire ça. Ça, c'est d'ailleurs encore besoin de paroles. Chacun a son expérience. Le gars vient me saluer. Et certaines heures, les sorciers sont venus très tôt le matin. Chacun vient dormir. Moi, j'ai vu beaucoup de formes de sorcellerie. Amen. Amen. Il y a les gens que tu touches tout toi-même. C'est comme si tu as touché au courant. Et puis, tu regardes. Parce que tellement qu'il veut mettre une décharge en toi, ça ne marche pas. Quand tu le touches, c'est comme ce courant.
Et puis nous, quand Christ ne subit pas, il s'évanouit. C'est mon temps. Amen. On dit le grand même, il est là, il s'appelle le bon Yahweh qui t'a fait. Il ne s'est pas encore rendu. J'ai dit aller le chercher. Pendant qu'il venait fort en fort, on a entendu l'éclair, le tonnerre éclaté, entre lui et moi. Moi, c'est qu'il a appelé sur ce lit-là, ça fait chez moi. Il y a des vidéos que tu n'as pas mis en ligne. Il y a des vidéos qu'on n'a pas mis en ligne, mais sinon c'est grave. Nous, on est dans le coin où on a. Les sorciers sont allés détruire le genou de quelqu'un qu'ils avaient déjà bouffé, qui était quelque part. Il y a trop de choses avec trop de mystères. La fille, il y a trop de mystères chez moi. Il s'approche de moi, il me regarde, il est tombé parce que je ne suis pas tombé. C'est ce qu'on appelle mort mystique. Il a tiré sur moi mystiquement. Il me regarde, je suis assis. Il se met en genoux, il tremble. Parce qu'un sorcier t'a loupé, t'as pas gagné, il croit déjà moi à ce qu'il y a en quoi. Il n'y a pas un sorcier qui va que tu vas attaquer, au fait, attraper et puis il ne va pas essayer. Ça n'existe pas. Il essaie d'avoir le pouvoir qui est en toi. Ça va marcher, vous savez. Amen. Non, vous savez. Parce que ce qu'il envoie sur toi, c'est ici sol, air. Ça dit, ça fait sol et puis air. Si tu veux sortir air, ça te tue. Sol, ça te tue. Amen. Vous savez de quoi je parle, parce qu'on est africain. C'est pour ça que les blancs, ils sont le premier frère africain noir. Vous dites, venez faire la guerre, parce que la guerre est spirituelle et mystique. On ne gagne pas la guerre comme ça. Toute guerre est spirituelle. On a bien saisi. Amen. Il n'y a pas un ancien combattant qui n'est pas sorti chez moi. Amen. On dit Guy Victor, lui, il disparaît. C'est un chasseur d'éléphants. Envoyez-le à la guerre. Et Dieu nous aide. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un nous aide. Donc le gars, il me regarde, il tremble. Il ne comprend pas. Oui. Vous pensez vos petits sorciers, vous mangez plus des gens, cerveau, narine des gens. Vous voyez, c'est le seul pouvoir qui existe. Or, lui, il est chef catéchiste. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui suit le prêtre, puis celui qui donne communion aux gens. Amen. Amen. Souvent même à l'église, fait dormir les gens. Pendant que le prêtre prêche, tout le monde dort. On l'appelle Kogo Yahweh vivant. J'ai parlé avec lui. Il me regarde. Je lui ai dit, tu sais, je sais ce qui s'est passé. Tu as tiré Simon. Et tu lui as dit, et tu as vu, c'est pas entré. Il dit, lui, vous avez tous ces pouvoirs. Et l'Afrique est en retard. Je vais les monter, les dit. Les gars, ils font prendre pour eux. Et ils ont l'avion. Vous savez, un petit gang bizarre. Blindé des balais. Aide-moi, vous êtes là-dessus et vous voyagez avec ça. Et vous pensez que c'est ça qu'on appelle développement. Vous venez en France ici, il y a combien de minutes? En moins d'une heure. Vous avez mangé, vous avez vécu, vous êtes parti. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas faire des bonnes choses avec nous? C'est pour ça que les blancs, la chasse aux sorciers, tuaient les sorciers. Il a commencé à trembler. Mon cher, bombardé, il est tombé. Je vais te montrer que quand tu attaques, je vais t'attaquer. À terre. Vous connaissez délivrance du prophète Rassou? Je l'ai mis à terre, traîné dans ça d'abord. Et puis il dit, voici ce qui est bon. Mais ce qui est en moi, lui, il est bon parce qu'il va te délivrer. Et je me suis qui bloque un dispensaire. On construit un dispensaire, ça tombe. C'est ça que quand quelqu'un, souvent les gens, ils parlent, ils sont politiciens, tel président n'a pas réalisé, ou le projet de frère. Aucun président n'a pas, tout président a cette ambition de pouvoir réussir son projet. Mais quand il prend le pouvoir, vous ne savez pas les opposants, là, chacun veut qu'il échoue. Vous voyez? Donc chacun va l'attacher dans son canari. Vous m'avez compris? Amen. C'est ça que les politiciens, là, mettez-nous avec vous, hein, pour vous protéger. Amen. Amen. Non, il n'a rien fait. Mais il n'a rien que tu connais les attaques qu'il nous reçoit chaque nuit. On l'attaque mystiquement. C'est ça que prions pour nos dirigeants. Nous, lui, c'est ça que malheureusement pour eux, la plupart,
Parce qu'ils savent qu'il faut avoir un autre pouvoir. Mais comme ils n'ont pas la puissance de Dieu, souvent ils échouent dans certaines choses. Amen. Amen. Et lui, il bloque le dispensaire. Un dispensaire où on doit soigner les gens, le sorcier vient et ferme. Le plus, parce qu'il veut être chef du village. Comme il veut, celui qui est le chef, il détruit son projet. Il ferme. Où il y a des choses. C'est quelle mentalité? On vous donne, l'État vous donne de l'argent, crée un projet, et toi, ta sorcellerie vient bloquer ça. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis le maréchal de la brigade dans ce sorcier. Amen. Amen. Ça, moi je ne discute pas de ça. Je vous ai déjà dit d'où est venu à faire les maréchaux. Je vous ai déjà expliqué. On ne m'a pas donné contrat de nom. J'étais confronté à une preuve de la sorcellerie. Et le sorcier a envoyé me tuer. Quand Dieu m'a délivré, il m'a donné ce nom. Amen. Amen. Alors, moi, à Dieu m'a donné un an. J'ai un sorcier m'a envoyé pour me tuer. Spécialement, me tuer. Heureusement que j'ai immortalisé les vêtements. Le petit, on l'envoie. Il est dangereux en matière de sorcellerie. J'étais en pleine prédication. Je vois quelqu'un qui tombe derrière, qui est en train de nager. Il crie. Je m'approche de lui, je lui dis, je vais te tuer. Il dit, non, c'est que tu vas plus me tuer. Parce que là où on est arrivé, on appelle ça une violation à domicile. Et chez moi. Oh, il dit, oh, j'ai déjà vécu. Des conneries t'entends les faire. Ça me ferait pas. Qui t'a envoyé, il explique. Comment l'une des mondes, vous voyez, à faire des sorcelleries, vous pouvez insulter Crasso. Ben, mon travail, deux jours. Donc, deux jours, c'est petit. Une heure du temps. Les os vont se craquer comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Je le regarde, il dit non, il va me tuer, toi, il est moi. Est-ce que tu sais un peu. C'est à qui j'ai pris. Il est tombé. Il rentre. Il me demande pardon. J'ai dit non. La mort là, c'est bon. Hein? Ok. On appelle ça retour à la. Parents, ça a pris vers chez toi. T'en donnais combien? Il dit de donner 4 milliards. Ah, 4 milliards, c'est comment? Donne un peu. Non, 4 milliards, il monte, c'est 400, c'est seulement sa couche. Mais c'est 4 milliards. À cause de ça, tu vas venir détruire ma vie. Ok. D'accord. Donc, je n'y avais pas. Il est tombé. C'est fini, il est parti. La semaine qui a suivi, il est allé chez les Mauritaniens. Vous connaissez les Mauritaniens, non? Amen. Il est allé chez les morts. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous fortifie, qu'il nous aide davantage. Amen. Que la gloire est donnée au Seigneur, dit amen. Amen. On peut acclamer fortement Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, l'autel, quand vous avez un autel satanique qui parle contre vous, vous n'allez même pas avancer dans votre vie. Je vous ai dit que l'autel d'abord, l'esprit de l'autel vient de Dieu, et ça partit du principe de Dieu, comme le diable c'est un pacificateur. Il va aussi copier l'autel. Voilà, donc nos parents ont des autels. C'est un endroit, un lieu pour vocation d'un esprit. Voilà, mais qui n'est pas Dieu, l'esprit de Dieu. Okay? Alors donc, c'est vrai que les parents n'adorent plus ces démons, mais en même temps, la présence là des esprits, là existe. Parce que l'autel, on appelle aussi porte d'entrée. Voilà, porte d'entrée. Donc, ce que les parents ont fait dans le passé peut avoir un impact sur notre vie. On dit amen. Amen. Et non seulement si nous ne sommes pas délivrés, si ces états ne sont pas brisés, ça peut aussi avoir un impact sur nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour que les autels soient, pour qu'on rebâtisse un autre autel à Dieu, il faut d'abord bâtir, il faut briser l'ancien autel satanique et rebâtir un autre autel à Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Mais en même temps, Dieu me donne une pensée. Vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi les prières ne sont pas exaucés. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Pourquoi la plupart du temps, les prières ne sont pas exaucées? Vous posez souvent des questions, non?
Hein? Très bien. On va essayer de voir ça avant de toucher l'autel. Parce que Dieu ne m'a pas de vous parler de ça. Souvent, on dit, non, c'est prier. Non, souvent, ça ne dépend pas de l'homme de Dieu qui prie pour vous. Hein. Souvent, mais ça dépend de vous. Ça dépend de l'individu. Parce que quand Dieu voit certaines choses qui ne mènent pas bon dans ta vie, il stoppe l'exaucement. Il ne t'exauce plus. Pourquoi? C'est que vous devez comprendre que celui qui exauce les prières, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Celui qui est le dernier mot, c'est Dieu. C'est Dieu. Ce qu'on fait plus des mots de visa, vous avez tous les papiers. On regarde le dossier. Le gars, il peut, pendant son ans, 16 humains, il peut te refuser. Il peut te refuser. Donc, c'est Dieu qui met ça. Il met non. Celui qui met non, parce qu'il regarde ta vie, il regarde ton cœur, il regarde ta manière, et puis il met non. Donc, on va essayer de voir l'élément est, malheureusement, beaucoup sont dedans. Amen. Amen. Prenons Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Alléluia. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Si tu me suis, acclame Dieu. Si tu me suis. Si tu me suis, acclame le Seigneur. Juste acclame le Seigneur. Ésaïe 59. Amen. Amen. On y va. Verset 1 et 2. Ésaïe 59, pas le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Très bien. Écoutez, il dit non. Il répondait au peuple d'Israël, à qui il avait une promesse. Eux. Il dit non, la main de Dieu qui est là-haut, là, ce n'est pas trop court pour venir te sauver dans la situation dans laquelle tu te trouves. Non. On y va. Ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit son oreille n'est pas dure pour entendre ce que tu fais comme prière. Mais il dit, mais. Donc la question est posée, mais pourquoi alors? Il dit, voici le mais. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous. Il dit, ce sont vos crimes. Qui a une fois tué? Vous allez me dire, oh non, professeur, quelle question bizarre que tu poses. Non, il ne faut pas fatiguer nos servants. Oh, qui va tuer? Qui? Un crime, c'est quoi? Non, la serpe des péchés. Un crime, c'est quoi? Le contexte du texte, du mot. Le crime, c'est quoi? Hein? Donner la mort à quelqu'un. Ou celui qui a zéro bruit. Comment on peut lui dire? Tu es, n'est-ce pas? Tu es une personne, n'est-ce pas? Si on demande à lui, non, peut-être moi j'ai avorté, moi j'ai fait ça. Bon, je ne veux pas que vous culpabilisez. Mais Dieu dit à Israël, c'est à cause de vos crimes. Est-ce qu'ils ont fait quoi? Il y a eu un cri. Écoutez très bien. Je vous demandais pourquoi Dieu disait qu'il venait d'abord sur le. Il ne dit pas péché. Hein? Amen. Amen. Dieu ne dit pas. C'est après il a vu, il dit, c'est à cause de vos péchés. Non, moi je préfère crime d'abord. Dieu ne dit pas directement le péché, mais pas de crime. Ah, il dit ça cause de vos crimes. Vous comprenez? Or, souvent, c'est Dieu qui a ordonné les gens d'aller tuer. Tout ça, mais ce n'est pas de là qu'il veut parler. Regardez, allons dans Lévitique. Lévitique, le chapitre 19, à partir du verset 16 à 17. Est-ce qu'on suit un peu ce que je dis? Amen. Si vous suivez, acclamez le Seigneur, tapez la main en bas. Okay. On va bien comprendre le message de Dieu. Nous allons bien comprendre le message de Dieu. On y va. Lévitique 19, à partir du verset 16. Mm-hmm. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Il dit, tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple. Tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple. Très bien, c'est un commandement, ok? On y va. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Tu ne t'élèveras pas contre le sang de ton prochain. Je vais expliquer. Je suis l'Éternel. Mm-hmm. Tu ne railleras point ton frère dans ton cœur. Mm-hmm. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Très bien. Le verset 10. Arrête-toi là, c'est bon. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Le verset 16 dit, tu ne répondras point de calomnie.
Qu'est-ce que c'est pour les téléphones Google déjà? Allez sur Google, vous voyez Calomnie, je dit quoi? En français, interrogez Google. Interrogez. Je ne veux même pas que ça vienne de moi. Non, non, interrogez Google. Qu'est-ce que Google nous dit, le dictionnaire? Allez sur Google. Je vous permets maintenant d'aller sur le téléphone Google, interrogez Calomnie, veut dire quoi? Calomnier quelqu'un, veut dire quoi? Calomnier. Mieux comprendre, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Ça va? Vous êtes qui a trouvé? Ouais, derrière? Tu te lèves? Alors, calomnie veut dire attaquer l'honneur, la réputation de quelqu'un, pas des. Ils redisent calomnie. Hein? Ils disent attaquer l'honneur, la réputation. Attaquer l'honneur, la réputation. Attaquer la réputation. Fausse accusation. Quelle autre version encore? Mensongère. Les paroles des deux mensongères. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Pour vous dire, et Dieu dit, ne répond pas de calomnie. Donc, calomnie n'est pas positif, c'est négatif. Frère, qui? Est-ce que toi, quand on va te calomnier? Parce que calomnier, c'est parler dans le dos de quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Quand tu apprends après, qu'est-ce que ça devient? Ça fait quoi? Hein? Est-ce qu'on me saisit un peu? Quand on parle de ton, dans ton dos, quand on parle de ton dos, que tu apprends, tu es dans quel état? Hein? Hein? Tu es triste. Étant triste, c'est ton âme qui est affectée. Or, si ton âme est affectée, c'est ton sang que le monsieur y répand. Donc, il commet un crime. Ceux qui calomnient, ce sont des criminels. Ce fait que la plupart, hier j'ai parlé dans une vidéo, excusez-moi, j'ai parlé de l'artiste Nigel Rafat, j'ai écouté une de ses vidéos, moi qui me meurs, il dit, vous aurez la mort de quelqu'un sur votre conscience. Peut-être que c'est moi, je ne sais pas. Parce qu'il était calomnié. Donc quand il rentrait à la maison, son sang était touché. Vous savez, la plupart des gens qui calomnient, ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer les gens sans le savoir. Amen. Un calomniateur, c'est un criminel. Vous savez, la maladie qui détruit plus quand quelqu'un fait l'accident, c'est l'hémorragie interne. La douleur interne, c'est ce qui tue. Il y a des douleurs qui sont silencieuses. Combien de gens, combien sont ceux qui ont tué, détruit des gens sans le savoir, en les calomniant. Vous mettez ensemble en train de parler d'un frère et tu es content. Si toi tu apprends ça, si on te fait ça, la même chose que tu vas ressentir, c'est ce que le frère ressent. Et en faisant ça, la Bible dit, tu ne réponds pas. Dans ma version, dit, tu ne répondras pas le sang de ton prochain. Tu ne vas pas répandre le sang de ton prochain. Donc en calomniant mon frère, tu répands son sang, tu le tues. Et en le calomniant, son sang crie vengeance, vengeance devant Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que là se trouve dans le sang. Lévitique, allons dans Lévitique. Lévitique 17, verset 11. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Vous avez compris maintenant qu'il y a beaucoup de criminels, non? Oui. Beaucoup de tuyaux à gage. Ils sont là. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. On dit l'âme de la chair est dans le sang. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. L'âme de la chair est dans le sang. Ce sont l'âme qui est attristé. Et quand vous les calomniez, vous répondez son sang. Amen. Et quand vous répondez son sang, vous l'avez déjà tué. Et c'est un cri devant Dieu. Amen. Quelqu'un qui a les mains sans, ça veut dire que toi tu penses que tu n'as rien tué. Mais le fait que tu as calomnié ton frère, tu as les mains pleines de sang. C'est un crime. C'est biblique. C'est pour ça qu'il a dit, non, tu ne répondras pas. Il y a des gens, eux, ils sont les premiers. Il dit, quelle est l'attitude que tu dois avoir? Regardez.
Je voulais donner. Non, non, allons-y dans Deutéronome 19. Pourquoi la salle est venue viser un coup? Évitez. Il y a des péchés qui sont très graves. Il y a des gens qui jugent les péchés. Ah non, lui là c'est un pécheur. Voyez ce qu'il vient de faire. Oh. Calomnie là c'est plus grave. C'est un crime. Non, lui là c'est un pécheur. Mais le fait qu'il dit que c'est un pécheur, quel criminel? 19, le verset 16, on était dans 16. Non, on était à verset 16, mais dans un autre chapitre. Lévitique 19, verset 16. Lévitique 19, non, c'est Lévitique. Ah, Deutéronome, tu viens entendre tout à l'heure. Non, Lévitique, on est dans Lévitique. Bon, d'accord. 19. Verset. Regardez bien la vie des calomniateurs, ils n'en vont jamais, c'est les gens qui finissent très mal. Verset 16. Tu ne répondras pas. Ça veut dire que quand tu as une information mensongère, parce que ça peut être un mensonge, ça peut être des paroles, tu n'as pas à répondre. Or, beaucoup sont ceux qui répondent. Il dit, tu ne répondras pas des calomnies parmi ton peuple. Quand quelqu'un vient calomnier quelqu'un, il faut le vider. Fuis-le. Parce que si tu entends de participer au crime de sang, c'est des crimes de sang. Il dit ici, tu ne l'élèveras pas contre le sang de ton prochain, parce qu'en parlant de ça, c'est le sang. Son âme, quand son âme est touchée, c'est son sang que tu répands, ok? Alors, dans le verset 17, il dit, tu ne haïras pas ton prochain, n'est-ce pas? Hein? Ton frère. Amen. Ton frère. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Amen? Amen? Amen. 1 Jean 3, le verset, 1 Jean 3, le verset 4, 15 mots 10 fois. Écoutez bien, très, très bien. Vous allez bien comprendre. C'est pour ça qu'avant d'aller prier, avant qu'on ne prie pour toi, frère, Dieu ne met rien à ton cœur. Je dis, mon frère là, sa bouche a tué beaucoup de gens. 1 Jean 3, verset 15. Vous jouez les choses. Dieu ne joue pas ça. Dieu, c'est Dieu et les choses, il ne joue pas ça. Parce que l'être humain, vous voyez là, toi, tu as été créé à l'image de Dieu. De toute façon, tu aimerais qu'on te respecte, respecte ton prochain. Amen. Alors quand tu attaques ton prochain, tu attaques Dieu lui-même en personne. C'est pour ça que Dieu ne joue pas ça. Le plus grand des commandements, il dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est pour ça que les gens n'avancent pas. On y va. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Amen. Amen. Réponds, pasteur. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez très bien, oui, que qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Amen. Je m'avais saisi. Quiconque est son frère. Vous savez, quand quelqu'un te hait, ton souhait, c'est de te voir disparaître. Non, hein? Moi, c'est que je ne l'aime pas, c'est que je ne l'aime pas. Tu le hais parce que tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. C'est toujours la crainte, amène les bâtons dans le roue. C'est toi toujours qui vois les défauts. Qui est péché sur cette terre? Et qui n'est pas pécheur? Qui est juste? Qui pêche là? Qui n'a jamais péché dans ça? Qui est la main? Hein, tu l'as pité toi comme ça. Tu l'as pité. Qui n'a jamais péché? Toi tu es pécheur. Si tu trouves ton frère dans une histoire, la chose que tu dois faire, c'est de l'aider. Attends, j'ai connu quand j'étais très jeune. Vous savez, c'est un métier. J'ai connu un monsieur de la police, qui était de la police judiciaire, et ce monsieur, lui, il tuait les trucs. C'est-à-dire, lui, chez nous en Afrique, là, les policiers, on appréciait. Mais il est mort de dépression, le monsieur. C'est après que je suis converti. J'ai eu deux policiers comme ça, de la PJ, qui sont morts de dépression. C'est après que j'ai connu, peu importe ton métier, mais le fait de verser le sang humain, ça fait peur, frère. Le sang de l'homme, il va toujours réclamer vengeance, vengeance à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir peur. Il faut respecter ton prochain. Amen. Tu penses qu'il n'est pas bien? La Bible dit quoi? Allons-y, pasteur. Je continue? Oui. Non, allons-y dans l'Écriture. Vous avez bien compris, non? On dit quiconque est son frère est un. Depuis que j'ai pris le couteau, pour aller, me dit, de toute façon, tu n'aimes pas ton frère, tu le hais. Tu
tu es à gage. Tu es plus que le sorcier Zadiko au village. Vous êtes le même chauffeur, le même travail. Ah, je n'ai jamais fait sorcellerie, c'est sorcellerie qu'on peut le faire. C'est même crime là qui fait. Toi, tu es là seulement, c'est toi qui divulgues l'information. Ah, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'elle a fait. Et puis c'est trop, et malheureusement, c'est trop dans nos milieux ivoiriens. Ah! Vous tuez les gens. C'est-à-dire vous tuez les gens. Mais Dieu va vous réclamer le sang des gens. Aujourd'hui, hein, lié à la fête est mort. Mais c'est pas mon milieu, diguer, tout ça. Bien que je sois artiste chrétien, mais c'est pas mon milieu. Mais j'ai pris la peine de savoir comment il est mort. Il est mort de chagrin. Parce que les gens le calomniaient, ils l'avaient tout fermé. Ils l'ont empêché d'avoir des sponsors. Vous voyez comment les gens font? Ils l'ont empêché de progresser dans sa carrière. Il en avait marre. Il est mort en même temps. Ce qu'il ressentait dans son corps, c'est comme ça qu'il a fait. Et puis il est mort quoi? Il a dit, de quel moment? Il est mort où il a eu une hémorragie interne. Ce qu'il ressentait là, c'est de ça qu'il est mort. Beaucoup sont ceux qui tuent les gens par leur calomnie. Amen. Vous tuez les gens. Par vos bouches, vous tuez les gens. Mais vous allez payer. Parce que tout s'est fait. Le crime des sangs, c'est un crime que Dieu souvent ne pardonne pas. Il va te faire payer. Il te fera payer sans ta progéniture. Il a dit à Caïn, le sang d'Abel crie vengeance. Frère, le sang du frère que tu as tué dans le secret en le calomniant crie vengeance devant Dieu. Amen. Depuis quand Dieu t'a établi comme juge? Depuis quand toi, Dieu t'a établi que juge, toi, pécheur que tu es, pour juger un enfant de Dieu? Tu es qui? Tu es qui pour juger? Toi-même, tu es qui? Parce que quand tu finis de parler mal, là, toi-même, là, ta vie, là, elle n'est pas la gloire de Dieu. Tu n'es pas saint, tu n'es pas né saint. Amen. Amen. Pourquoi vouloir tuer les gens? Beaucoup sont ceux qui tuent les gens. Beaucoup sont ceux qui détruisent la carrière des artistes. Vous voyez, aujourd'hui, on regarde. Non, lui, il n'est pas bon. Et puis, on assiste ça sur Facebook. Comme si le monsieur de Facebook, là, ça pourrait savoir qu'il a créé ça. On insulte l'autre. On calomnie. On insulte. Mais c'est un péché grave. C'est un crime de calomnier quelqu'un. Amen. Amen. Et c'est vous qui me dites, Seigneur, les sorciers m'attaquent. Tu fais pitié, criminel. Amen. Le feu sur ta bouche. Amen. Tu viens de tuer quelqu'un avec ta bouche et cette sale bouche-là, tu dis au Seigneur, il n'a qu'à t'exaucer parce que les sorciers veulent te manger. Non, quand tu manges, elles sont s'arrachées. Non, quand tu manges, ils n'ont qu'à mettre ta bouche dedans. Et puis, cabateau, quand tu manges ça. Le feu, sorcière, amen, que tu es. Amen. Soubaba. Amen. On chante. Parce que en chinois, ils appellent on chant. Cherchez ça sur Google, vous allez voir. On appelle ça on chante. Les sorcières. Les sorcières. Toute ta vie, c'est de chercher à savoir. Il essaie toujours, c'est vrai, le problème. C'est lui-là qui a fait. Celui-là, ça peut être lui-là. Mais tu es sorcier, frère. Pourquoi toi toujours c'est quelqu'un qui. Mais c'est quoi? Toujours tu calomnies. C'est toi toujours qui trouves que quelqu'un. Mon frère. Et regardez ce que la Bible dit. Parce que c'est un terreau. Tu ne railleras point ton frère dans ton cœur. Oui. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Il dit quoi? Il dit, quand tu sais que ton frère fait quelque chose qui n'est pas bon, tu vas vers lui pour lui dire, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Très bien. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Quand tu ne fais pas ça, ça veut dire que le péché dont tu lui reproches, tu te charges de ça. Parce que tu ne l'as pas aidé. Au lieu de l'aider, tu viens le tuer. Amen. Amen. Et puis toi, tu veux que Dieu t'exauce. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Il y a combien de criminels dans la société? Ils sont là. Les tuer à gage. Toujours prêts à tuer. Vous savez? Viens. Bon, quand tu dis ça à un frère, que le frère a fait ça, qui
Déjà même, l'image du frère, là, quand on le regarde, il est bizarre. Là, vous le détruisez, vous voyez. Si c'était une soeur, on ne peut plus la marier. Vous voyez, j'ai vu la soeur là, elle est bizarre. Vous voyez, vous détruisez le mariage d'une soeur. Vous détruisez l'avenir d'un frère par vos calomnies. Et puis vous pensez que vous êtes propre. Et puis vous voulez que Dieu vous écoute. La triste, elle est morte. Hein? Il était bon, mais vous l'avez tué. Il était bon. Il était bon. Pourquoi vous les calomniez? Pourquoi nous les Africains, on n'aime pas protéger tout ce qui est bon? On n'aime pas protéger. Les blancs aussi, en Afrique, quand tu es handicapé, faut prier Dieu. Hein? Pour avoir les moyens. Parce que si tu traverses avec l'handicap, Madou qui vient son car. Faut prier Dieu pour ne pas qu'il te tue. Ça, c'est d'abord, c'est prière. Si tu as loupé, il va te d'abord t'insulter pour laisser bouger les gars des cars. Les bacamas, il va te d'abord t'insulter. Fafro, il va te d'abord t'insulter du là, puis il va te descendre. Excusez-moi, hein, de mal, c'est juste. Et puis il descend, et puis il te frappe. Et puis il dit, appelle qui tu veux. Regardez les blancs, les handicapés, on dit, ça c'est pas qui d'handicapé. Quel handicapé, on le respecte. Ils ont quand même des valeurs. C'est pour ça que Dieu les bénit. Amen. Amen. Chez nous, quand tu es handicapé, on te tue en même temps. Mais c'est tout, c'est tout, là, c'est qui? Fallait la voix. C'est quoi l'image? Oh, ici, quand tu es handicapé, on paye tes parents pour qu'on puisse te prendre. Franchement, les blancs, c'est vrai qu'ils ont des valeurs, c'est pour ça que Dieu les bénit. Parce que même l'handicapé, il a sa place, on l'aide. On l'aide à réussir, on le protège. Il y a des choses que nous devons prendre chez nous. Or, chez nous, c'est des nuits. Détruit. On a ça dans notre sang. Quand on va quelque part, même dans l'église, quand on vient dans l'église, c'est les affaires, c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi l'autre n'est pas béni? Aujourd'hui, là, aujourd'hui, il n'a pas bien chanté. Son visage est comme ça. Avant, il se lève et chante. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Mon frère, il y a quoi? Il y a quelque chose. Pourquoi nous, on est comme ça? Ça veut dire, nous, on est toujours comme ça. Tu es venu prier ton Dieu. Au lieu d'adorer ton Dieu, c'est ton voisin, c'est pas lui. C'est ça qui t'intéresse. Aujourd'hui, c'est pas mon frère. Il y a quoi? Tu t'es pas levé, le prophète chantait. Tu t'es pas levé. Ton problème est où? Donc toi, tu ne suis pas le culte. On est venu prier Dieu. Toi, tu es un démon. Soubala. Bon, quelqu'un qui a un esprit comme ça, quelle prière qui a marché chez lui? Il n'y a pas de prière. Vous comprenez? Il y a des choses où vous devez éviter. Ne vous mettez pas dans les conneries. Quand quelqu'un vient calomnier, et... parce que chacun a sa vie. Le calomniateur, c'est un criminel. Celui qui répand les calomnies, répand le sang de son frère. Vous comprenez? Combien de fois vous avez frustré, vous avez tué des gens? Amen. Vous avez tué des gens, vous avez détruit la vie des gens. C'est pour ça que Dieu il sort et quitte. Vos mains sont sales. Pendant que vous levez les mains, Seigneur, Dieu voit le crime, le sang dans vos mains. Vous dites, ah, mais où on a pris le couteau? Mais ta bouche, pas ta bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont au bout de nos lèvres. Par ta bouche, tu as tué le frère. Tu l'as calomnié. Amen. Vous comprenez bien? C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'évoluent pas dans leur ministère. Parce qu'ils aiment bien calomnier. Il y a des gens qui aiment bien parler. C'est eux, toujours. Comment détruire? C'est-à-dire leur esprit est gauche. Comment nuire? C'est un démon qui fait ça. Souvent, mais ça dépend d'eux. Mais ils veulent toujours, ils ne sont pas heureux quand quelqu'un avance, ça les énerve. Amen. Et puis toi, comme ça, tu veux prier pour que Dieu t'exauce. Il dit dans Isaïe, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure, mais il dit à cause de vos crimes. C'est à cause de vos crimes. Vous calomniez les gens, vous les détruisez. Vous détruisez, oui. Merci. Vous détruisez les gens.
Beaucoup sont ceux qui sont morts peut-être dans les quartiers. À cause de toi, ta bouche, les gens avec leur bouche là. C'est plus qu'un livre, les quartiers. C'est plus dangereux que ça. Il y a des gens, quand ils disent des choses, quand même, tu fais crise cardiaque. On dit, oh, il a fait AVC. Après ce qu'il a entendu. Parce que les gens, ils fabriquent pour merci toi. Pour saper ton image, pour pouvoir te tuer, pour pouvoir te détruire. Et ils sont là, ils sont prêts pour ça. Ils ont cette énergie. Mon frère, faut faire attention. Tous les calomniateurs meurent mal. Amen. Vaut mieux aider que de détruire. Frère, dans la vie, il faut mieux aider. Il faut aider les gens. C'est pour ça que la Bible dit que si tu apprends quelque chose contre ton frère, il faut aller vers lui pour l'aider. Sinon, il ne faut pas répondre. L'action que Dieu te conseille, c'est de l'aider. Ce n'est pas pour répondre. Que tu veux ou pas, c'est une loi de Dieu. Ce n'est pas une loi de création. J'ai vu ça dans la Bible. Non, il ne faut pas voir ça comme les paroles de gouvernement. C'est une loi. Si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, elle s'applique à toi. J'ai dit qu'une loi reste une loi. C'est comme le feu vert, le feu rouge. Tu es pressé. Ah, ma fille est malade à la maison. On dit feu rouge. Tu vas briller le feu. La loi va te sanctionner. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi de Dieu. Cette loi de Dieu, c'est pour tout le monde. Frère, on dit la Bible qu'un calomniateur, c'est un criminel. Imagine-toi, quels sont les crimes que tu as commis au cours de semaine. Ah non, nous, les pécheurs. Toi-même, ce qui t'entend, c'est encore plus pire parce que tu calomnies. Quand je regarde un peu, c'est que ça peut faire la vie des gens. Ils ont tué un jeune homme de 33 ans comme des calomnies. Et s'il meurt, vous organisez un grand, il y a des funérailles au stade. J'ai commencé à lire, regardez comme le noir est. On met plus de 100 et 150 millions pour organiser un funérailles. Au moment où il avait besoin de vous, personne ne l'a assisté. Personne. Pourquoi on est comme ça? Dis à quelqu'un, pourquoi c'est comme ça? Dis à quelqu'un. C'est comme on était content qu'il meure. Bon, c'est maintenant qu'il est mort qu'on va l'aider. Pourquoi les gens sont comme ça? Et vous voulez que les gens, vous voulez que Dieu bénisse la fille? Vous voulez que Dieu vous bénisse avec cette méchanceté cruelle? Au moment où le monsieur et la soeur a besoin de toi, tu lui mets les bâtons dans leur roue. Tu lui mets les bâtons. Évitons de mettre les bâtons dans les roues de nos frères. Aidons-les à avancer. Même si nous pensons qu'ils sont faibles, aidons-les. Avancez. Parce qu'on ne sait pas l'avenir. On ne sait pas ce qui demain nous réserve. Quand tu fais du bien, c'est des réserves. C'est dans le livre des souvenirs. Quand tu fais aussi du mal, ça est là. Parce que c'est qu'un homme sait, il le décroche. Alors les calomnies sont encore plus graves. C'est ce que j'en dis. Calomnie une personne, c'est grave. C'est crime de sang. Donc si tu étais abonné à un site où on met afera.com, il faut aller te désabonner. Allez, désabonne-toi. Dis à quelqu'un, désabonne-toi. Dis à quelqu'un. Il n'y a pas trois Africains qui vont se mettre en 100 ans. Il n'y a pas. Pourquoi c'est comme ça? Ils vont commencer dans le fait de Jésus. Ils vont dire non, on ne critique pas. Hein. On ne critique pas le frère. Mais on entend les mais c'est quoi vous êtes en train de vous les calomnier? Non, on n'a pas en train de. Mais le frère, il est péché. Vous ne les critiquez pas. Mais pourquoi tu ne vas pas vers lui pour l'aider? Il n'y a pas trois ou quatre Africains qui vont se mettre ensemble pour parler de Jésus revient. Quand on va penser de Jésus revient, il y a calomnie qui va suivre petit. Ou même on pense, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché un peu, pardon, j'ai parlé du frère. Oh, ouais. C'est dans le sang. C'est un peu dans notre sang. On veut parler. Et si tu es obligé de le faire? Mais en parlant mal, comme je disais, la Bible dit non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop du pointant, mais ce sont nos crimes. Nos crimes. En parlant contre ton frère, tu le tues. Ou combien de gens que nous tuons autour de nous. Il a besoin de toi et toi tu le calomnies. Tu parles mal de lui. Quand le frère le voit, péché. Ah, c'est comme ça que tu es. Il y a quoi? Je dis rien. Sinon, c'est que le frère a dit là. Vous voyez? Donc, ça dit, du coup, on le ferme. Et puis, c'est comme ça que le jeune homme qui est mort,
L'artiste est mort, ils l'ont fermé parce qu'ils ont dit des choses sur lui. Et à la fin, vous reconnaissez son talent. Pourquoi vous ne voyez plus toutes les qualités qui sont dans la vie des gens et vous voyez plus les défauts? Pourquoi la méchanceté? Et puis sur le dernier moment, c'est là où on reconnaît qu'il était bon. Sorcier et sorcière. La Bible dit, celui qui calomnie commet un péché. Descend, ça c'est qui le sort. Parce que ce sont son âme. Vous savez, l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, donc l'esprit est là, mais l'âme se trouve dans le sang. C'est ce qu'on ressent. Ça te fait mal. De toute façon, ça fait mal, c'est ton âme qui est touchée. Et quand ton âme est touchée, de toute façon, ton sang est affecté, atteint. Tu es triste là. C'est ton sang que le genre de frère répond. Et pour ça, Dieu jugera ce frère ou cette soeur. Parce que tu répands son sang. Donc quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, éternel, agis, Dieu, il y a ta main, c'est plein de sang. C'est pour ça que frère, même le plus grand pasteur qui est loin, qui vient te toucher, tu dis, ouh, criminel. Quoi, c'était des criminels. Vous comprenez? Et voici le problème. Par moment, des prières non exaucées. Dis à quelqu'un des âmes tabous, dis à quelqu'un. Il faut désarmer ta bouche à quelqu'un des âmes tabous. Ça va? Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas parlé de quelqu'un, ils ne sont pas heureux. C'est quel démon ça? Dis à quelqu'un des âmes tabous, s'il te plaît. Dis à quelqu'un. Oh, la Bible dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Eux, quand ils sont arrivés, ce qu'il a appris. Quand quelqu'un dit, non, j'ai envie d'écouter. Même si c'est le pasteur le plus bien, tu as dit, le où il a mis là. Pour les Africains, ça veut dire, c'est grave. Tu mets ton oreille, tu veux écouter. Il a parlé d'un frère. Quand il commence, tu t'éloignes. Parce que quand tu participes aussi au crime. Dès qu'il commence, il dit stop. Je ne suis pas dans ce genre de trucs. Dis amen. Amen. Je ne suis pas dans ce genre de trucs. Il a fait ça. Moi, je vais l'aider. Aide donc plus les gens que de les tuer. Les gens détruisent la carrière des gens, la carrière professionnelle. Ils sont les mentis sur les gens. Ils sont les calomniers des gens. Pour ça, on les a chassés. Il y a des gens ici, on a calomnié ici en France. On a détruit leur vie. Il y a des gens qui ont calomnié pour détruire leur foyer. Il y a des gens qui ont calomnié pour détruire leur business, leur affaire. Arrêtons de tuer nos frères. Arrêtons de tuer notre soeur. Arrêtons de tuer les gens autour de nous. Par nos calomnies, c'est dangereux, frère. C'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi toujours pas les défauts des gens? Pourquoi on ne voit pas les qualités? Parce que l'homme a des défauts, il a des qualités. Quand vous voulez ou pas, l'homme a des qualités, il a des défauts. Amen. Amen. Alors si vous constatez quelque chose, il faut prier. La Bible n'a jamais dit, ça dit, la Bible dit, il dit, ne répands pas de calomnie parmi nous. C'est un commandement, ça s'impose à tout le monde. Amen. Ne te lève pas contre le sang de ton frère. Si toi on te calomnie, qu'est-ce que tu vas ressentir? Amen. Amen. Moi-même, c'est là qu'à vous, c'est je suis comme des gens. Le jour où on commençait à taper le pasteur Anani, à passer dans les réunions, de minuit à 4h du matin, n'a plus bougé, j'étais dans la voiture. J'ai dit, pasteur Anani, moi-même, ils ont fait YouTube pour moi. Moi-même, c'est YouTube qu'ils ont créé pour me calomnier. Mais ils m'ont foutu. Le pasteur dit, non, c'est pas facile. Ils ont parlé de lui seulement une fois. De minuit à 4 heures, il est bloqué dans la voiture, il ne bouge pas. J'ai dit, parce que moi, ils ont créé une équipe pour tuer, descend le prophète Crasson, mais détruit spécialement pour ça. Moi, ils m'ont foutu. Ils m'ont foutu, je continue ma vie. Je continue ma vie. Je continue, j'avance, je m'en fous d'eux. Et je remercie beaucoup ceux qui nous ont soutenus dans ce moment difficile. Que Dieu bénisse. Amen. Le pasteur m'appelle pour dire, la nuit, je n'ai pas travaillé.
Il m'a insulté, on dit vaudouman. Il dit, papa m'a dit vaudouman, ça m'a traumatisé. Il dit, parce que moi, ils ont créé YouTube spécialement pour moi. Chacun cherche m'insulter. Quand on dit vaudouman, il y a un jour, c'est moi qui trempe. Il lui a dit, mais tu allais faire quoi là-bas? Tu allais foutre quoi dans nos rêves pour écouter? Il bouge plus, il est minuit à 4h, il est réveillé. Il ne peut plus bouger. Vous avez ce qu'il a ressenti? J'ai dit, c'est tout à l'heure. Et moi-même, c'est lui spécial pour me descendre. Ça glisse sur mon corps. Parce que moi, il y a la grâce de Dieu sur ma vie, frère. Amen. Quand on était pas mal, son objectif, c'est de te descendre. Ce n'est pas de te caresser dans le sang du poil, c'est de te détruire. Et en parlant mal de toi, c'est que tu ressens, c'est ton sang qui bouge, ton âme attristée. Quand ton âme attristée, c'est ton sang qui se répand. Ils paieront. Tous ceux qui t'ont calomnié, paieront ça. Beaucoup sont des criminels. Nous détruisons la vie de nos frères. Nous détruisons la vie de nos soeurs qui sont autour de nous. À cause de ces mensonges, calomnies, le frère fait son travail. La soeur prend son foyer. Mais pourquoi ça? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi? Pourquoi on est méchant jusqu'à ce point? Et puis demain, nous voulons être bénis. Demain, nous voulons avoir des enfants. Et quand nous sommes malades, nous voulons que Dieu nous guérisse. Mais Dieu ne va pas te guérir. Dieu, il ne va pas te descendre quand tu seras dans un problème. Parce qu'il y a le sang de ton frère qui crie vengeance sur la soeur de ta soeur. Le sang de ta soeur qui crie vengeance, vengeance. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Frère, évitez ça. Évitez. C'est tout ça qui fait que Dieu n'écoute pas les prières. Ah, je suis allé chez lui, la prière pour moi, ça n'a pas marché. Toi, mais tu ne sais pas, c'est que tu veux. Tu ne sais pas. Ah, les gens pensent que non, non, on est bien, on est fort, on est truc, et puis ça doit marcher. Mais c'est une erreur grave. Amen. Amen. J'aime Madame Grasso, je remercie cette dame. Kuruwana waka kuru kwao, kukukua waka kuru kwao. C'est son anniversaire. Donc je veux que vous souhaitez joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, qui te consume la santé. Joyeux anniversaire.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Je rentre en mariage, un problème. Ça veut dire quoi? J'ai toutes les questions que je pose, je ne comprends pas. Et cette femme, on vivait les moments les plus difficiles. Elle m'a dit, ne lâche pas. Amen. Je ne fatiguerai s'il faut que je meurs pour toi, je vais le faire. Vous savez, dans les moments difficiles, quand vous entendez de ça d'une personne, ça vous remonte. Amen. Parce que je posais beaucoup de questions. Et chaque fois, ça prenait, tu es où? Il ne faut pas lâcher. Je t'ai connu, prophète Crasso. Je sais, c'est moi qui vis avec toi, je sais qui tu es. Voilà. Donc, moi, je ne te lâche pas. Je me battrai pour toi. S'il faut que je meure pour toi, je le ferai. Amen. Et je vois beaucoup de choses à mon épouse. Beaucoup de choses. Hein? Amen. Un jour, je vais prendre peut-être 30 minutes, une heure, parler de toi. Amen. Il y a certaines. Vous vivez, il y a certaines choses que vous rencontrez. Bien, c'est dans les difficultés que vous reconnaissez ceux qui vous aiment. Amen. Amen. Elle m'a porté beaucoup de choses. Et il y a des personnes aussi dans cette salle que je n'oublierai jamais jusqu'à ce que Dieu me rappelle. Amen. 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 Que je te bénisse. Amen. C'est une grande femme à la tête. Ah oui, il faut être grand dans la tête. Alléluia. Il faut être grand dans la tête pour accompagner le prophète Crasso. Quand je l'ai épousé, il a dit, bienvenue dans le royaume des persécutés. Elle pensait que c'était amusant. Quand ça a commencé, je dis, tu as vu? Et je l'ai bien épaulé. Parce que quand vous comprenez que les gens avec qui vous avez donné à manger, que vous avez aidé à un moment donné de votre vie, qui parle contre vous des choses mensongères, ça fait mal que tout. Et qui conspire, leur aspiration, c'est de vous voir mourir. C'est-à-dire, leur objectif, c'est de vous anéantir. Et comme eux, ils ne sont pas Dieu. Tu as quelqu'un, tu n'es pas Dieu pour pouvoir détruire la vie de quelqu'un. Beaucoup ont dit l'église de Viti va plus exister. Voici l'église. Amen. Les gens disent même l'église. Non, tout s'est fermé. Pourquoi vous mentez comme ça? Et on a vu. Qui est qui dans cette église-là? On a vu. Frère, tout se paye si c'est pas terre. C'est pour ça que dans votre vie, écoutez très bien, quelque chose dont je vous parlais, vous allez voir forcément dans votre environnement quatre types de personnes. Quatre types. Quatre types. Prenez d'abord. Premièrement, vous allez voir des gens comme Thomas. Ils vont toujours douter de vous. C'est-à-dire, malgré là que vous avez posé, Thomas, il doutait de Jésus. D'abord, ce n'est pas quand Jésus est ressuscité. Avant ça, il dit, Jésus dit celui qui m'a dit avec le Père. Thomas dit, le monde où le Père, ça suffit. Donc il doutait même de Jésus. Jésus m'a ressuscité, il doutait de Jésus. Il y a des gens qui vivent avec vous, mais qui ne croyaient pas en vous. Ce sont les Thomas. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont comme des pierres. C'est-à-dire, ils voulaient faire confiance. Donnez toute votre confiance. Et puis eux, ils vous bénissent. Au moment difficile de votre vie, et vous tombez.
es vécu, sorcier, le fais chez toi. Depuis quand tu m'as vu, Jésus? Sorcier, sorcier, oh, c'est Pierre. Il venait de régner Jésus devant une seule femme. Il rit, il y a des gens qui sont là, ils vont vous régner. Amen. Amen. Et il y a des autres qui sont des Judas. Ça, Judas, ils sont terribles. Hein? Un chien et vous, mais ils s'entendent avec vos ennemis. Ils parlent de quoi là-bas? Non, moi-même là, c'est vrai qu'ils ne parlent pas, mais moi, je ne trouve pas de mal à ça. Mais quand vous vous retrouvez, c'est des bons paroles. Parce que lui, il sait que tu as mis un mot. Fais très attention. Quelqu'un a mis un mot, il s'entend plus à vos ennemis. Il devient ton ennemi. Plus dangereux. Judas, comment ils ont mis Judas? Judas savait où trouver les gens. Comment il a eu l'information? Comment du coup il a eu l'information? Que on devait voir Jésus. Ils étaient en contact. Le temps est arrivé, il a compté Jésus. Donc il y a des gens qui sont dans votre environnement, sont les Judas. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans votre environnement. Amen. Ah, c'est comme ça. Il faut se sécuriser. C'est pas tout le monde. Ah, toi, mais tu es compliqué. Mon frère, je ne suis pas compliqué, toi, mais tu es. Quelque chose qui devait, qui fait peur, tout le monde a peur de toucher ça. Si vous vous protégez, ils auront peur de vous. Mais si vous laissez comme ça, ils viendront. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. La quatrième forme de personne, c'est les gens qui vont vous aider d'une manière sincère. C'est-à-dire qu'ils n'entendent rien de vous. Et quand vous avez des problèmes, et ces personnes-là qui pleurent le plus, vous faites sortir de ces difficultés. Comme les femmes, Jésus est mort, on l'a enseveli. Malgré qu'elle est enseveli, elles sont allées vers le tombeau de Jésus pour pleurer, pour embaumer le corps de Jésus. Il y a des gens, peu importe la situation dans laquelle ils finiront toujours par croire en vous. Ils vont seront toujours là pour vous. Faites lever. L'expérience de la vie ouvre les yeux. Amen. Moi, j'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Amen. J'ai compris beaucoup de choses. Je sais maintenant où mettre les pieds. Alors moi, j'ai pensé que l'on ne peut pas détruire son prochain. Oh non, on se trompe souvent. Et c'est à cette femme-là que Jésus s'est révélé pour dire, les anges ont dit, Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Les vrais gens seront toujours là. Même dans les moments les plus difficiles, c'est eux-mêmes qui vont les mettre dans les difficultés. Amen. Comment vous comprenez une dame comme ça? Le souvenir qui vient d'elle. Amen. Mais c'est un souvenir d'une femme dans les, qui te booste, qui te stimule pour dire je crois en toi. Attends, vas-y, tu n'es pas n'importe qui. La femme est une aide. Amen. Amen. Il faut quand même si la porte se pas. C'est pas au départ où on dit. On fuit pour dire, ah, toi t'es débrouillé avec ton problème. Débrouille-toi avec ton problème, tu as cherché, allez, débrouille-toi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais insulter, rencontrer des gens. Elle a la vraie version. C'est ça aussi. Elle est restée là du basi. Hein. Je sais qui tu es. Que Dieu te bénisse, mon vie à toi. Elle est ma confidente. J'ai parlé avec elle. Je cause avec elle. Ma confidente. Amen. Que Dieu vous donne une bonne femme. Amen. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas rencontré? Que vous donnez un bon mari. C'est la femme qui fait l'homme. Amen. Et ça, j'ai vu ça. Parce qu'à un moment donné, j'étais tellement remonté pour dire à Dieu, mais pourquoi tout ça m'arrive? Et quand tu attends ta femme, tu dis, vas-y, la femme. Franchement, Dieu a mis beaucoup de choses sur ça. Soyez des amens. Libérez vos bouches. Hein. Soyez un peu délivrés dans la bouche. Hein. Aidez les gens. Amen. Une femme, elle est prête pour toi. Personne ne peut la détruire. Amen. J'ai oublié de la protéger. Parce que c'est bon. Quelque chose qui est bon à vous protéger, ça. Amen. Après. Il y a des trucs, on ne trouve pas comme ça, c'est des terres, hein. Amen. Amen.
Sinon, eux-mêmes vont venir, elles-mêmes te détruire même dans le problème. Et puis un matin, tu fais crise cardiaque. On dit, Samy, viens pour plus, monsieur, il est spiritualisé. Tu as lutèce, chagrin, tu es mort. Et la femme est pas là pour l'oreille. On a besoin des gens qui sont prêts à nous aider sans intérêt. Dans les difficultés, ils vont faire sortir de ces difficultés. Vous nous boostez avec des bonnes paroles pour lui, vas-y, lâche-moi, je suis prêt. Cette femme, elle a gêné. On a gêné ensemble pendant 2 mois. En train de prier pour nous et le ministère. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je connais ton histoire. Tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. Alléluia. Amen. Essayez de voir les bons gens autour de vous. Ne vous mélangez pas avec les gens. Les gens qui parlent, ils sont là pour la parole. Mais il y a des gens, quand vous allez commencer à avoir des problèmes, ils fuiront de votre vie. Les femmes sont restées. Il y a des femmes qui sont restées. Et c'est ça qui nous dit. Les femmes, quand elles sont prêtes pour quelque chose, c'est nous les hommes, tout le monde fuit. Les femmes, quand elles sont prêtes pour quelque chose, ah, faut pas jouer ça. C'est les femmes. Ça, c'est la femme à qui Jésus a dit. Les hommes ont dit, la femme, Jésus est ressuscité, il n'est pas ici. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si vous sentez que c'est l'homme de votre vie, priez pour lui. Aidez-le. Amen. Parce que le rôle que joue la femme dans la vie d'un homme, c'est l'air. C'est la femme. La femme peut changer un homme. Elle peut le briser, elle peut le transformer positivement. C'est parce qu'elle ne peut pas. Si elle ne peut pas, le lâche. Il tombe. La plupart des hommes ont chuté, dont la vie a été détruite, c'est les femmes. Salomon, il est musclé, Samson, il est musclé, il fait tomber tout le monde. Dalila, la l'arrière, quand il dit, c'est un plaisant. C'est qu'il veut montrer. C'est la femme qui l'a fait tomber. Elle a donné dans lui le secret. C'est-à-dire, vous les femmes, vous pouvez nous maîtriser comme ça. Parlez-nous avec douceur, puis c'est bon. Sinon, la partie, nous, on crie sur nous, là, on n'aime pas tout ça. Même si on fait des choses bizarres, parlez-nous un peu avec douceur, on va accepter. Ah, pourquoi aller te parler avec le chef? Toi, vieux, là, tu sais pas ça? Tu sais pas ce que tu dois faire? Nous sommes vos bébés, voilà. Amen. Nous sommes vos bébés. Un bébé, on ne parle pas avec le chef, c'est bon. Ah, que Dieu nous aide, amen. Amen. Il faut qu'on ait une bonne femme, amen. Alléluia. Ça, c'est pour nous très important, savoir gérer son foyer, savoir prendre son foyer. Ça va se battre pour la chose. On se bat toujours pour une bonne cause. Amen. Il y a toujours un prix à payer. Même ton mariage, j'y ai un prix. À un moment donné, ça fait bien. Mais il y a un moment, il faut te battre pour réussir ton mariage. Il faut tout régler pour réussir ton mariage. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Valérie, viens ici. Monsieur, viens. Ils ont une histoire avec moi. Je vais vous expliquer un peu. Je peux expliquer un peu, non? Arrivé, j'avais un mariage, j'étais dans les moments terribles, dans le désert. Monsieur, ça va? C'est monsieur, madame, vous regardez, vous expliquez un peu. Les petits bêtes, nous-mêmes, on est trop près. Ce monsieur-là, c'est mon fils. C'est à cause de lui, elle m'a connu. Ils étaient fiancés. Et il a eu des difficultés. Jusqu'à l'emmener, ils l'ont en prison. Ah. Il y avait des temps dans lesquels je n'ai pas trop rentré. Il avait son livre, mon livre à lui. Elle pleurait. On dit, on va l'envoyer, on le rapatrie. Il n'avait pas pris. Je peux t'expliquer un peu. Bah, maintenant ça va, non? On acclame le Seigneur. Et ça m'a le moment, tu dis, pouf, le petit avait mon livre. Même le profil de mon fond Facebook, c'est le prophète. Ça dit, lui, ce n'est que le prophète Crasso. La femme, elle est blanche, elle ne comprend rien à ça. Mais il va avoir des difficultés. Elle dit, cherche à entrer en contact avec le prophète. Et quand elle m'a parlé de lui et tout ça, je dis, ok. Et lui, dans les difficultés, tout était bloqué autour de lui. C'est lui et elle qui pouvait parler avec lui. J'ai dit, il va sortir de la prison. Elle ne voyait pas d'issue, c'est normal, elle a raison, elle voyait le système, elle ne voit pas d'issue.
Celui ici, il faut qu'on le rabaptise. J'ai dit qu'il sortira de la prison et vous allez vous marier. Donc j'ai commencé à prier avec elle tout ça. Et puis le miracle s'est opéré. Il est sorti de la prison. Il est sorti de la prison. Il y a eu mariage. Salut moi la belle famille. Donc son parti sont revenus, maintenant il est star. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc je me disais, il faut que je vienne rendre témoignage de vous dans deux minutes. Tu peux parler un peu, non? Oui. Donc j'ai tout dit. Donc c'est ça en fait, des grosses difficultés, mon cœur faisait mal. Donc par tous les moyens, j'ai contacté. Elle aime bien son mari. C'est là. Ça c'est très bien, ça c'est très bien ça. Donc je suis rentrée en contact avec le prophète Violette Rassou, comme il vous l'a annoncé. On a prié ensemble. Je me suis dit qu'effectivement il avait raison, que c'était encore une épreuve de la vie. Il est sorti sans être rapatrié. On a réussi à se marier, malgré quelques embûches quand même. Et puis là, on rentre d'Abidjan ce matin avec son visa à long séjour, possibilité de travailler, etc. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu, tu sais chanter? C'est un percussionniste, hein? De profession. Tu veux taper? Un peu chez nous là-bas, tu connais bien? C'est facile de parler de ce qu'elle a vécu. Elle a payé le prix. Vous voulez vous marier, il y a un prix à payer. Elle aussi a dit, je ne lâche pas. Quand elle a dit ça, il dit, ok, on se met dedans. Il y a de l'amour. Là où il y a l'amour, tu es dedans. Amen. J'ai senti l'amour dedans. Si la chute prenait un coup, c'était une vie qui était en train de se détruire. Et j'ai compris qu'il fallait l'aider. Elle est nouveau dans le fait de Jésus. Mais ça a boosté sa foi. Ça a permis de comprendre la puissance de Dieu. Je ne comprenais rien dans cette histoire de Dieu. Ça a permis de comprendre pourquoi son mari, dès le début, c'était des gens engagés dans cette histoire de Dieu. Et dans les, c'est ce qu'on appelle l'ombre de la vallée de la mort. Amen. David dit, dans le psaume 23, il dit, même quand je traverse, frère, il y a des situations, tu te demandes, est-ce que tu pourras t'en sortir? Et puis tu sens de ça. Et tu vois ça comme l'ombre de la vallée. Là-bas. Je vais traverser. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'en sort. Et lui, il a pu s'en sortir. C'était difficile, il était coincé à deux doigts. Et il a eu le miracle. Amen. Parce que le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Dis à quelqu'un, c'est quelque chose de surnaturel. Dis à quelqu'un, c'est quelque chose de surnaturel. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, le miracle est quelque chose de surnaturel. Le miracle est quelque chose de surnaturel. Amen. Amen. Dieu fera ton miracle. Dis à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu fera ton miracle. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu fera ton miracle. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu fera ton miracle. Dieu fera ton miracle.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Basia, Basia, oh, aïe, 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 je pars tout à l'heure, c'est pas de mes habitudes, toujours je pars lundi, j'ai une urgence, donc je vais partir à Lyon,
Amen. Donc pour cela, je vais vous recevoir, n'est-ce pas, pour prier pour vous. Il y a des rendez-vous rapidement. Vous allez m'excuser. On va récolter les grands programmes le dimanche prochain. Il y a quelqu'un dimanche prochain? Je préfère stopper pour recevoir rapidement les gens. Vous comprenez? Parce que si je commence à prier, il sera difficile, il sera très épuisé. Quand mon mère va venir, j'allais prendre mon déjeuner. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Alors je préfère stopper. Amen. Pour commencer à recevoir les gens. Comme ça, on va prier. Hein? Amen. On va le dimanche prochain. On va rentrer dans les séries de délivrance. Parce que moi-même, je sais que l'onction a été actualisée. Amen. Dimanche prochain, invitez les gens. Amen. Amen. On va rentrer dans les dimensions du miracle. Amen. Dis amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen.